que tu restes pour aller au boulot. C'est, fait, c'est lancé, mais bon, on est pas encore. Le stream est lancé. Ouais. Ouais, et c'est dans le jeu. Tu vois, comme quoi. Bien sûr. Twitch. Twitch, c'est bien. Enfin, on a l'air cool, moi, là, que j'arrive. Bah oui, mais au dernier moment on a changé. Ouais. Vous êtes sur quoi? Sur la mienne? Bah oui. Ouais. Oh, la nouvelle. Ouais, ouais. Bon. Ouais, attends. Là, il y a encore une nouvelle version parce que j'ai mis le compatible mode saison. Ouais, puis c'est cool quoi, on a la circulation, on a des jambes. Ouais, mais j'hésite à mettre la circulation française parce qu'elle va me foutre la map à... Là, elle est à 580 avec la circulation. Bonsoir à tous, les amis. Je vais monter à... Salut Alexandre. Salut Tiflo. Salut Tiflo. Alors moi, je sais même pas ce que je vais prendre comme moi ce bat. Non. Ah, du coup, tu recommences une partie. Oh bah ouais, nous t'as qu'à faire. Hein. Ah, c'est du coup, tu devais faire quoi à Gris France? Normalement, on devait y aller ce soir. Ouais. On a 2-3 trucs à revoir. Et voilà. Donc, on recommence à tout. Allez, les amis, partagez le live. Ça fait pas plaisir pour JC. Il y en a encore un, l'autre il vient me dire que la show elle marche pas sur campagne profonde. Je lui dis c'est pas possible. J'ai testé pendant au moins 15-20 lives, ça marchait très bien. Là le mec il a un problème au niveau des yeux. Bah non, il me dit j'ai enlevé tous les trucs et tout, et il a plus rien. Il a plus que la main. Allez, c'est parti, moi je m'en vais moissonner ce soir. C'est pas possible. Allez, grand champ de France.
Dans les grands champs de France. Tu vas te perdre. Bon, après je vais bouffer. T'as faim? Ouais, bah on est rentré tard. Hein. Putain, pour rentrer dans pas. C'est même pas Paris, c'est une zone où il y a un parc d'exposition. Et... une usine à gaz. Tous les gens de la RATP. Oh, il était plus de 10 000 là-dedans. Ah ouais? Ouais, ils font ça bien quand même. Pas mal le Dutz. Mmh. En noir, il est terrible. Ouais, mais je le mets pas en noir, moi. J'aime pas la couleur noire. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Gris, c'est gris, en ce moment, c'est la Bretagne. Avec des barrières à moelle, on passe mieux. Ça, c'est cool. Mais normalement, j'ai refait des barrières, des pâtures, là, mais... Ah ouais? Il y en a certaines, j'ai vu que ça y était encore, où tu passes par-dessus à chaque fois, c'est relou. Ah ouais? Il est déjà caché, Ced? Bah, il est caché encore, oui. Il se cache toujours, le Ced, hein? Ouh, les vilains! Non, moi, j'ai fait la vache, la ferme des vaches, en face où j'étais garé dans l'autre. Je suis bien, là, je vais être bien, là. Là, oh punaise, une voiture! Oh, une autre! Ah ouais, là, il manque des bâtiments ici. Vas-y, passe, Kono, va! Les bâtiments où j'étais garé, ils sont plus. Moi. De quoi? Quel bâtiment? Ça plus Pascal, ça soit. Les bâtiments où j'étais garé, 1970. Dans en face, le silo à maïs. Ils sont plus. En face, le silo à maïs? Ça a été modifié. Ah, même, oui. Ouais. T'as tout modifié là. Oui, j'ai fait modifier le chemin de terre et là en fait c'est ouais. Une zone ben, tu sais quoi, franchement ça me plaît davantage comme ça. Ben, je trouve que c'est mieux pour placer les bâtiments. On est content pour toi, Maurice. Ouais, franchement, il a fait. Moi je. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Après j'ai fait de la déco vers le négociant. Tout ce qui est déco autour des routes là, autour des champs. J'ai pas fini. Ouais, je commence à faire une connerie. Faut que j'arrive à finir ça pour Noël là. Après j'ai pas envie de sortir du bêta et ressortir encore une mage, ça va encore aller comme des putos. Non, faut mieux. Je préfère me dire j'attends un petit peu, tant pis. Mais j'aimerais bien la sortir à Noël quoi. Normalement c'est ouais, dans un mois maintenant. Bah oui, à peine. Quelque chose près. Quand t'es sur le logiciel là, pour les échelles, là, t'arrives pas à voir l'échelle en fait. Ouais. Salut Alicia. Bref, bonsoir bien. Alicia. On va voir un petit point. Allez, je vais faire de la paille. Ouais. Du coup, il est même pas en local. Bah non. Comment tu vas, JC? Très bien. Et toi, Tiflo? Oh là 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 là, il fait le tofu. On va bien, Alicia. Merci beaucoup. Et toi, ça va? Comment allez-vous? On va très très bien. Allez, mais faut pas que j'avance, moi, parce que je vais pas pouvoir sortir la moisse batte. Je vais revenir chercher le tracteur après. Et la moisse batte, elle est là. Et puis on va aller moissonner je sais pas quoi. On va voir. Je ne sais même plus ce que j'ai acheté comme champ, donc. Il est pas avec vous, Pascal? Non. Mais je l'éteins, quel con. Un petit problème de connexion ce soir. Voilà, j'allais le dire. Chacun son tour, hein. Pas toujours les mêmes. Eh ben non. Problème dans son pantalon. Pourquoi ça pousse pas? Il a une petite connexion. Je peux tarder à manger.
Salut Mamourette, comment vas-tu? Oh bah tiens, Mamourette, elle a de la couille. Salut Mamourette, bisous, bisous à la petite Lucie, au passage. Oui. C'est parce que Mamourette a fait un câlin à Pascal, c'est pour ça qu'il peut. Bah voilà, c'est pour ça qu'il est pas là. Bah ouais. Je comprends bien. Petit cochon. C'est un petit coquin, hein. Bon, le 30, il aurait pu venir, il l'aurait acheté, il n'y a rien dedans. Ah, vous avez une connexion de merde. Ah, il doit râler, alors. Oh, de toute façon, il n'a pas besoin de ça pour râler. Non, non, non. Il râle tout le temps. Je rigole. Mais c'est pas marrant. C'est pas marrant d'avoir une connexion de merde. Voilà, il a qu'à adopter un petit chinois. Ouais. Qui c'est qu'à le retour live là? Ça c'est Cédric. De quoi? Qu'est-ce le retour? Ouais, je viens d'aller arrêter là parce que ça va pas. Et si t'as des problèmes de connexion, ça m'évitera de rigoler trop de fois. Ouais, c'est vrai que c'est pas marrant quand tu rigoles. Pas de câlin, il regarde Olive à la télé. Olive et Tom? Olive et Tom, non. Salut Tétine! Salut Tétine! Regarde Olivier! N'oubliez pas de partager le live, les amis, ça fera plaisir. Merci à vous d'être là. Ou pas. Ou pas, ouais. On est donc sur les champs de France de Cocorico Mooding ce soir. Putain, il fait le narrateur ce soir, lui. Hein. La version a été un peu améliorée depuis l'autre soir. Et donc, la map est toujours en test. T'as vu, t'as été voir prochainement, elle sera sûrement disponible pour PC. Ah, éventuellement pour Noël, les amis. Qu'est-ce que tu disais? Parce qu'il cause tellement. Va voir au cochon. Ah, tu veux que j'aille voir au cochon? Les poursets, ils sont où? Les poursets, ils sont là, les poursets. Si vous avez des questions à poser, profitez-en. On a le modeur avec nous. Non, le mappeur. Le mappeur, pardon. C'est pas tout à fait pareil. Excusez-moi du lapsus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir en plus au cochon? Le mappeur avec nous sur le vocal. Donc profitez-en si vous voulez poser des questions. Ah, la cuve est là. Pour faire le plein des gazelles. Il va voir au cochon, tu verras, dans la stabule. Oh, puis accordé, narbe, des cuves, des merdes partout. Hein. Ça, j'ai un bug là sur la cuve à fertilisant. Mais, ah ouais. On va voir. Alors, les cochons. Oh, on voit des cochons animés. Ah ouais, bien. Ah, tu vois que je t'avais pas menti. Quoi? Vas-y, avance encore. Regarde derrière la maman. Ah, il est petit. Bah regarde, tu les vois. Ouais, je les vois. Il y en a qu'un par truc. Normalement, ils en font au moins une dizaine, je crois. Ouais, en gros, ouais. Et là, je vais en mettre de l'autre côté aussi, mais j'ai pas fini. Ah ouais. Bon là, ils mangent. Super. Dans le vide, un peu con, mais bon. Ouais, mais bon, c'est déjà ça, c'est. De temps en temps, je vais en mettre une couchée au sol et puis les petits qui la tête. Ah ouais, c'est pas mal ça. Belle animation, moi. Bravo, Coco. Animation Minding Pascal. Ah bah oui, bah ouais. Ouais, je vais faire à manger. Collaboration Pascal et Coco, quoi.
Moi, je vous laisse à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour les questions, bah, vous les notez. À tout à l'heure, Coco. Ah ouais, bah, tu sais, avec notre mémoire de poisson rouge, on va noter quoi, nous? Hein? C'est vrai, hein? Tiens, bah, du coup, j'en ai... Je vais en profiter pour emmener le tracteur. Yeah. Laval Agricole, merci pour ton follow. Et bonsoir à toi. Et bienvenue à toi. Chez les bras cassés. Ça fait zizir, ça fait plaisir. Et normalement, on est à 161. Ça monte tout doucement, mais sûrement. C'est cool. C'est cool, 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 Raoul. Donc, on va finir de faire la petite moisson dans le champ là-bas. Après, on sait pas ce qu'on va faire. On recommence les tests un peu partout. On a racheté d'autres champs, comme ça, on va tester ailleurs. Là, il a rajouté des arbres, hein. Il y en a un peu plus qu'avant, c'est un peu plus gai, quoi. Ah, le 31, il est là. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Il n'y a pas de circulation, je suis pas emmerdé, là. Alors, comment on va depuis tout à l'heure? J'ai affaire à qui? La vallée agricole, ah bah oui, ça y est, je suis con. Salut Axel. Salut Axel. Et j'avais mal vu, j'avais mal lu. Merci à toi d'être passé. Mais, ah oui, il faut peut-être que je démarre la machine. Ça va très bien depuis tout à l'heure, oui. J'avais pas pigé. Mais qu'il est bête, non. Il est pas bête ou qu'il a pas réfléchi. Il a pas fait attention du tout. Faut pas dire qu'il est bête. Comme ses pieds, c'est tout. Allez, avance toi. Burgandine, avance Burgandine. Et Burgandine est parti. J'ai installé Twitch, au moins je peux commenter. Bah voilà. C'est mieux, c'est plus facile. Ah, je suis mal assis moi. Bon, toujours, on a toujours pas de problème pour moissonner. Hein. Ça fonctionne. Impeccable. Et impeccable de frein en plus. Et mon live se porte bien, je suis dans le vert. Alouette, je suis dans le vert. Sur YouTube, on n'en parle pas parce que là, je serai dans le rouge. Black Funny, salut! Merde, pourquoi je repasse la vitesse, moi? Habitué à l'inverseur, tout à l'heure j'étais en train de jouer avec le contrôle à donne. Alors maintenant avec l'inverseur, je suis complètement perdu. Ah, il y a du rendement quand même. Ouais, moi aussi. Ça va. Impeccable ça. Ouais, du rendement d'entrée avec des champs préparés, c'est bien. Mais je sais pas, t'as pas remarqué tout à l'heure. Quand on a commencé la partie, j'ai regardé, mais ils sont fertilisés à 100%. Ouais.
Il a fait ça bien. Eh, il nous a fait ça bien. Ouais. Le pire, c'est qu'il a déjà préparé l'autre version. Putain. Il va nous en balancer combien? Tu joues en multi? Ouais, je suis avec mon compère Ced M46. Alors, ça y est, j'ai avalé un chat. Eh bien, moi, c'est du vin qui est dans le verre. Ah, bah, Titine, je savais que tu ne buvais pas que de l'eau, toi. Hein? Ok, je sors, ouais, ouais. Déjà, on aurait dit Fred, tiens. Bizarre. Tu déteins, toi. Hein? T'as pas le droit de prendre ces trucs. Et voilà, coucou la compagnie, le voilà le Fred, ça va? Salut Fred. Comment vas-tu? Hey, VTT Rider, comment vas-tu? Salut VTT Rider, merci. Non, il n'y a pas Pascal, il a des problèmes de connexion. Bon, il a des problèmes de cours, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Il a des problèmes de connexion, oui. Il a mal branché les fils. Yeah. Black Phony, merci pour ton follow. C'est bien comme ça qu'on le dit. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a, Autobot? Et pourquoi il a bloqué ça? Il est con, Autobot, de mes deux. Eh, faut des modos là-dedans, moi aussi. Voilà. Elle retourne dans le jeu. Alors, qui c'est qui est arrivé? Alors, j'ai perdu le fil conducteur. Lol. Je peux vous rejoindre? Non, tu peux pas. Ouais, ça va, impeccable. Et vous? Oui, très bien. Salut, Jim. En plus, je regarde les Simpsons à la télé. Oh, c'est malin, ça. Avec un verre de vin à la main. Ah bah, c'est beau. Hein. Oui, nickel. Bon, d'accord. On dit quoi? Que tu es follow? Ouais. Je suis fou, ouais, carrément, ouais. Il est con, lui. Putain, il se déteigne sur moi, hein. C'est pas possible. Hein. Il va plus qu'avoir des Homer JC sur la Terre. Ou punaise. On n'est pas dans la merde. C'est cool, on sera deux. Ça va, moi, je suis au lit demain, départ 5h du mat. En vélo. Ah ouais, ah là, ouais, t'as intérêt de te reposer un petit peu. Ouais. En effet. Et tu vas où, comme ça, jusqu'à Paris ou quoi? Tu vas faire du VTT alors? Une punaise. Et pourquoi j'ai la mini-carte moi? Ça m'énerve ça. Bah je l'avais tout à l'heure. Parce que je cherchais le champ. Ah, bicyclette, oui. Et pas mal. Et puis il a mis le petit vélo derrière. Oh là là, les petits malins. Oula, je crois que je vais pas être malin si je vide pas. Il va falloir que je sorte ma grande buse plutôt. Bon, on va s'arrêter là et on va sortir la buse. Hop, on va sauter dans le tracteur. Imagine la scène, les Simpsons à la télé, un verre de vin à la main et regarder un live avec
des fous, lol. Merci pour les fous. Mon Ed. Mon Seb. J'ai pas vu mon Seb. Ah oui, c'est vrai, c'est Titine, c'est Seb. Rien de plus normal, oui. Bah, je sais pas si c'est normal, mais bon, il a pas l'air d'être bien normal, Titine. Seb, plutôt. Allez, passe la vitesse, toi. Non, je rejoins les gars du club à 30 km et après on va à un endroit pas loin chez moi. Donc après je rentre direct chez moi. Ah, donc tu fais pas une grande distance En vélo. À vélo ou en bicyclette? Que des abonnés tarés avec un streamer déjanté. Oui, ouais, c'est un peu ça, oui. C'est bien pour ça que vous restez, hein. Et on sera sur la route. Ah ouais, donc pas dans les chemins. Non, tu vas pas te salir, comme... Ouais, j'en ai fait du vélo de route. Mais avec ma putain de sciatique, je peux plus. C'est bien dommage, j'aimais bien. Ben oui... Arthur 669 80, salut! Et on est bien ici. Bah tant mieux, tant mieux. Ça c'est à force de regarder tes lives, Homer, ça déteint. Bah oui, hein, Tintin. On est dans le même cas, j'y sais. Ah bah tant mieux. Je suis pas tout seul, moi. Bon bah je vais plier ma grande buse. Vous êtes jaloux, hein? Elle n'est pas si longue, vous, hein? Je parlais de la buse de la machine, hein? Bien sûr. Je roulais... Hein? Je roulais 15... 1500 km par an. Ouh, punaise, là, ça fait beaucoup, hein? Moi, je sais pas, j'ai jamais calculé. Quand on aime, on ne compte pas. Mais je devais en faire un peu moins. En gros, je fais faire 80 km de... Pas avec un vélo de route, avec un VTT. Voilà, c'est raide là par contre. Bah, je faisais ça avec un vélo de route. Mais bon, je faisais pas 80. En début de saison, on se tapait... Temps de se remettre en forme. 30-40 km, après on montait, on allait jusqu'à 100, quoi. Mais 1500, mais 15 000 routes en été et VTT en hiver. Oui. Puis continue comme ça. Homer, j'aime trop regarder tes lives, je m'éclate. Ah ben si vous éclatez, ce soir je suis tout mou, hein, alors là vous allez pas vous éclater. Mais bon, ça va revenir, et puis mon Sad il ne met pas l'ambiance, rien. Pareil, il est tout mou, on l'entend plus, là. Il boude. Ça y est, je l'ai réveillé, oh punaise. Sérieux, là. Tu dormais? Ben non, mais vous me parlez pas, donc qu'est-ce que je dis? J'ai pas parlé tout seul, les gars. Bah si, moi je fais 1000 km par an. Ah ben c'est bien, 1000 km par an. Tu parles, je parle, si tu parles pas, j'ai rien à dire, moi, tu sais, moi. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais pas, non, je... Il en manque un. Il en manque un, quand il en manque un, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, c'est clair. On est malheureux, on est tout triste. Et il nous manque notre Calimero, merde. C'est bien qu'il est là, parce qu'il dit tellement de conneries que nous, bah, on suit. Et on en dit encore plus. Et à Jim qui te dit salut. Salut, Jim. Et il y a Fred aussi, bien sûr. Moi, oui. J'espère que Sed n'a pas oublié. Merde. Bah, tant pis, on va reprendre ça après. Oh punaise, j'ai fait une loupée. N'a pas oublié quoi? N'a pas oublié pour le live abonné pour vendredi prochain. Il n'y aura pas de live abonné parce que là, en ce moment, là, on a du gros test à faire.
C'est qu'on a deux maps à tester en ce moment. Je crois qu'on est ric-crac. Je suis désolé les amis, mais là, on peut pas tout faire. Mais c'est partie remise, hein. Vous inquiétez pas. Faut qu'on finisse les tests, et après, ça sera plus tranquille. Bah j'espère. Mais vendredi, j'en doute. À moins qu'on arrive à se débrouiller autrement, mais on vous tiendra au courant. Ouais. Vendredi, peut-être qu'il se transformera. On avait peut-être pensé au mercredi soir. Ouais, mais ça, c'est les lives avec les amis le mercredi soir. À voir. Alors là, il faut rentrer dans le cercle amis. C'est déjà plus dur, hein. Mais bon, après, j'ai que des amis sur le live, tant qu'ils m'embêtent pas. Alors maintenant, ben, je n'ai pas suivi le truc. Je suis un peu perdu. Arrête dans la danse. Oui, non. Mais mon set, tu n'as pas oublié? Non, j'ai fait pas mal de chemin de raison à 30 km par saison dans les bois. Ben, ça doit être pas mal dans les bois. On peut passer être au four et au moulin. On peut passer et être au four au moulin, d'accord, oui. Sniff, sniff, ne pleure pas, Seb. Je vais t'envoyer un mouchoir. Il faut embaucher des Chinois pour torcher les maps, oui. Ouais, mais je sais pas s'ils sont bons, hein. Ils peuvent pas être bons partout, les Chinois. À part pédaler pour faire du jus, c'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. J'espère qu'il y en a pas un qui me regarde, sinon je vais me faire tuer. Cause 12 décembre, donc pas de problème. Ouais, d'accord. L'expression, oui, j'avais compris aussi, MDR. VTT, d'accord. Eh, mais putain, mais pourquoi ça fait ça, là? Ah ouais, il faut que j'appuie sur le frein, maintenant. Ouh, punaise, il y a une mise à jour. Eh oui. J'avais même pas remarqué. Je vais dodo, d'accord, VTT. Bonne nuit alors à toi. Fais pas de cauchemar, hein. Et parce que après les fonctionnaires, si tu tapes sur les Chinois, on estime mal. Eh ouais, non mais je vais pas taper sur tout le monde, hein, parce que je vais faire finir par me faire taper dessus. Hein. Puis moi j'aime pas recevoir les coups, je préfère les donner. Avec des donuts. Oh, il y a des punaises de lit de bois partout. Le mouchoir envoie plutôt une boîte. Ah ouais, carrément, oh punaise. Qu'est-ce que tu disais toi, Sed? Avec des punaises de lit de bois partout. Oh punaise. On est mal, lol, pardon, hihi. Eh, hey, tu sors. Ah, ça y est, j'ai trouvé le truc. Oui, je suis pas si nul que ça. Et j'ai fait je sais pas combien de tours, j'aurais mieux fait d'arrêter au bout de deux tours. Ah, t'as fini ton chant, toi? Oh, bientôt. Après, je vais faire des bottes de paille, là. Bah, moi aussi, c'est marrant. On a la même idée. Ou alors, je vais peut-être... Ah bah non, parce qu'il y en a un, il va encore vouloir de la paille. Bah, il va se démerder, il va en acheter. On peut pas tout lui faire, hein. Des punaises de bois de lit. Oh, oui. Il m'en faut pour les vaches, de la paille, donc... Ah, attends, tu prends les vaches en bas, alors? Ben, j'ai pris la ferme, là, à côté, ah, là, ouais. Les vaches. Ah, comme ça, t'auras quelque chose à faire, quoi. Et faut qu'on s'octroie Si arrives jamais à la tenir, cette expression.
Non, j'arrive pas jamais à la retenir. Tu sais, moi je suis un poisson rouge, hein, je retiens pas grand-chose. Hein. Comme t'as pu le voir, moi Fred, je la retiens bien. Hein. Ah bah lui, pour retenir les conneries, c'est le meilleur. Hein. Oh bah là. Là, il a pas besoin de se forcer, lui. Hein. Ouais, je suis plein. Ah bah ça, fallait arrêter de boire de la bière aussi, toi. Hein. À quelle heure ça ouvre le point de vente là-bas? Il est pas ouvert. Ah, j'en sais rien, bah non, dans 4 minutes quand on va. Si ça ouvre à 8 heures, toujours personne pour jouer en multi, de jouer tout seul. Un moment, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça va un moment. Le multi, c'est qui pas... qui cherche quelqu'un pour jouer en multi? C'est Titine, Seb, Sébastien, je sais plus comment déjà, sur YouTube. Bah, j'ai le poisson rouge, j'ai oublié déjà. Ouais, d'accord, Fred, mais tu la couches tous les soirs, ta fille. Ne t'inquiète pas, on va y arriver, mon Ced. Pourquoi vous allez arriver à faire quoi, des petits, tous les deux? Eh oui. Tu rigoles, toi, après. Hein. Ouh, t'avais pas compris, hein. Oh punaise! Si, il a le cerf-volant! C'est juste que je vois pas le. J'ai pas le chat sous les yeux là, les gars, alors. Vous inquiétez pas si je réponds pas. Hein. C'est Homer qui fait mal son travail. Et... Oh, c'est moi qui fais mal mon travail, pourquoi? Il me fait pas remonter les infos. Ouais, je peux pas lire et remonter, penser à tout, hein. Non, mais il est fou, lui! Homer vite cède, il a les yeux tout blancs. Oh! Wow! Oh! Pas de ça chez nous! Ouais, c'est vrai que trouver des personnes pour jouer en multi, c'est dur, hein. J'aurais bien dit d'aller rejoindre la team Cantal, mais en ce moment, j'ai pas l'impression qu'ils jouent dur. C'est pas mieux. Après, tu vas sur le forum de Géant, tu trouveras peut-être chaussures à top pointure. Salut Seb15, comment vas-tu? Salut Seb15. Comment ça va, l'ami? La forme? Nous, bah, on va pas trop mal. Bon, on n'a pas Pascal, il a des problèmes de connexion, il a une petite connexion ce soir. Donc il n'est pas là. Bah tant pis pour lui, hein. Et tant pis pour nous, surtout. Ouais, surtout pour nous, ouais. Bon, je vais stocker ça, mais il faut que je mette un silo, moi. Et il t'a dit salut. Salut JC, salut Ced. Et qui m'a dit salut? De Seb 15. Ah ben oui, moi aussi j'ai dit salut à Seb 15. Ah ouais, j'ai pas entendu. Si, je lui ai dit. Ah bon? Ah oui. C'est bizarre, j'ai rien entendu, il moi. Il vient de demander si t'avais la forme. La patate, la banane aussi, en non? Forme de quoi? J'en sais rien, mais la forme. En forme de banane. Tiens. Espèce de banane. Ouais, j'ai pas la banane, moi, ce soir. Je suis plus sur la poire. Ah ouais, t'as la poire, toi? Ouais, à peu près travailler sous la pluie. Bah ouais, il a plu aujourd'hui. Hein. Bah, ouais, nous, moi aussi. Il a plu chez nous aussi. Et pourtant, on habite à 500 km l'un de l'autre, mais il pleut. Ben ça, je crois que c'est dans toute la France qu'il pleut. Hein. En ce moment, ouais, c'est à croire. Oh punaise. Ça y est, j'ai réussi à l'atteler, la machine. Ouh là là. Bon, je vais ramener ça dans mes quartiers. Alors, mes quartiers, c'est comme l'autre fois. Je suis retourné... Oui, 8 heures, moi. J'allais voir, je suis plein. Où je vais amener ça au Touton. Voilà, on va vendre parce qu'on n'a pas de sous là.
Elle est obligée de... de vendre, de réfléchir. Parce qu'on a peut-être, on va peut-être pas remettre de l'argent, alors. Donc faut qu'on fasse gaffe. Mais bon, on se connaît, ça va pas durer longtemps. Parce que pour les tests, c'est pas le top top. Ah ouais, il a remis un peu de déco un peu partout là, hein, wesh. Wesh cousin, c'est joli. Wesh, wesh. Et moi j'ai pas pris la bonne schroute. Ah si, j'ai pris la bonne schroute. Je vais voir pour louer un serveur G-Portal. Ouais, mais bon, si tu le loues pour toi tout seul, c'est pas tellement rentable. Parce que pour 3 mois, t'en as quand même pour 21 euros. Hein. Alors, où je vais stocker ça, moi? Bah, comme l'autre fois, ici. Hein. Et d'accord, là, je vais gagner du pognon. Là. Pourquoi? Tu vas vendre quoi? 40 000 de blé. Ah bah moi j'en ai pas autant, mais. Et j'ai pas fini le champ. Ça c'est bon ça. Moi j'ai fini le champ. Mais t'es tout petit, c'est normal. Ouais ouais. Donc j'ai décidé de faire un champ par un champ, le ressemer, tout. Ouais, mais il va falloir que j'achète le matériel. Je pense que ce que j'ai dit que j'allais pas rajouter dessous, j'ai été obligé. Oh, il a tout modifié là. Ah ouais, c'est là. Oh, ça a l'air mieux. Ah, oh, ça ouvre, c'est bon, c'est ouvert. Ouais, 20 000, je vais stocker, moi. Et si je me mettais en vue intérieure, parce que je vais quand même payer un arme, il y en a plus qu'avant, maintenant, donc... Moi, je n'ai rien pour stocker, donc je vends. Bah, je vais essayer de placer un silo, moi. Si je peux. Allez, je vends. C'est parti. Alors 10, 20, mais j'ai pris là, 30. Ah, je sais pas si je vais 26, pouvoir placer un silo. 26 900, c'est bon ça. Bon, on va essayer de placer un silo. Un silo, deux silos, trois silos, deux, deux. Un silo, deux silos, trois, c'est pas celui-là parce qu'il est bugué. Un silo, deux silos, trois... Vous n'avez pas assez d'argent. Ah bah oui, 180 000, c'est sûr que... Bah vous voyez, je suis obligé de remettre de l'argent. F11. Et voilà, on va rajouter... Allez, 1, 2... Et puis d'abord, il faut bien qu'on teste, donc qu'on mette de l'argent. 1000, 10 000, 100 000, 1 million. On va déjà mettre ça. On verra après. Retour. Maintenant, on peut s'acheter le silo, bordel de Dieu. Et est-ce que je vais pouvoir le mettre là? Oh, punaise. Je ne vais pas pouvoir le mettre là. Punaise. Ça fait chier, je voulais le mettre là. Voilà, je peux pas le mettre là. Ah si, pas là. Punaise. Oh, punaise, je vais pas... Ah si, par là. Est-ce que je pourrais pas le mettre par là et faire... Oh punaise, non, pas par là. Eh putain, je suis emmerdé pour placer mes bordels, moi. Eh, ça me fait chier de détruire tout le champ. Faut que je le moissonne avant. Bon, bah, ce qu'on va faire, on va vendre. Alors, on va vendre parce que là, c'est pas la peine. On va faire de la vente directe. Alors, c'est quoi déjà ce que j'ai, moi? C'est du blé. Oula, j'ai perdu la tête, Maurice. Le blé, c'est là. Et. Oh, bah, il n'y a qu'un point de vente, c'est Agora. La Cop Agora 687. Oh, bah, ça vaut le coup quand même. Bah, allez, hop, on est parti pour se promener. On va aller voir Agora. Agora, 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 Gaga. Oh, bah, il n'y a plus que 3 spectateurs. Dis donc, ils sont tous partis chez qui? Ils sont partis au bistrot. Eh ben, tant pis.
Tant pis. Ah, c'est samedi aujourd'hui. Hein. Bon, on va aller vendre Agora. Samedi, et puis... tout est permis. Le samedi. C'est la quelle carte, Homer? C'est Champ de France. De Cocorico Modding. Voilà, il a tout dit, lui. Map en test. Salut, Agribart. Sortie prévue pour Noël, les amis, normalement. Normalement, oui. Normalement, on dit bien normalement. Ouais. Putain, je commence à la connaître la route là, moi. Je vois que le tracteur roule à 63. Hein. Et on arrive à Agora. On arrive. Ah de rien, c'était gratuit, Maurice. Oups là, oups. Je me suis porté le portail. Oh là 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 là. J'ai l'impression que je suis fatigué, moi. Si je veux porter le portail de porter, déporter le portail. Voilà, j'ai pris la benne qui va bien. Ah bah ouais, mais là je me suis coincé. Ouh, punaise. Eh, punaise, me voilà coincé encore. Alors là, on va se mettre en vue extérieure parce que je sais... Ouais, ouais, d'accord. C'est ça que tu sais pas conduire. Regardez, pas beau ça? Et voilà la méthode pour se dé... Ah, j'ai quoi coincé. Ça y est. Vous avez vu? C'est comme ça qu'il faut faire pour se décoincer. C'est tout. Alors, ça va me rapporter combien? Il y avait 20 000? Bah, 14 000, c'est pas... C'est pas mal quand même. Oups là, c'est par là, Maurice. La sortie, c'est ici, Maurice. Allez, ouvre-toi, Sésame. Sésame, ouvre-toi. Bravo, belle leçon, oui. Et là, tu peux pas enlever le bâtiment, pas comme moi, avec voiture MTR. Bah oui, mais là, le bâtiment, je peux pas l'enlever, c'est ta fête. Hein. Là, il faut arriver à se débrouiller. Mais bon, j'ai... quand même pas mal d'expérience dans ce domaine, donc parce que moi je suis le spécialiste pour se coincer. Et pareil, je fais toujours trois trucs comme... Oh là là, j'ai dit la clôture, je vais me la payer. Ah oui, la réo, c'est les clôtures. Je suis un spécialiste pour me coincer dans les barrières, dans les arbres... dans les barbelés, sur les rochers, puis j'en passe et j'en passe. Ça me connaît. T'as toujours pas fini, Cédric? Mais qu'est-ce que tu fous? T'avances à rien. Un aller-retour et c'est bon. Ah ouais. Oh tiens, ben moi je vais peut-être moissonner mon maïs, il est prêt. Je vais juste aller chercher une cupe. Une cupe à maïs. Et c'est... Attends, faut que je regarde si c'est bien celui-là. Ben oui, c'est celui-là. En plus, hop, on va faire demi-tour. On va rester par là. Oh, on va écraser un peu le champ des voisins. C'est pas grave, c'est pas le mien. Puis on va se mettre là. Hein. Tu remplis pas ma benne, toi. Hein. Triche pas. Hein. Allez, on va chercher la moisse-batte. Et on va acheter les cupes à maïs. C'est mieux, hein. C'est mieux la cupe à maïs, il y en a-t-il une? On va prendre celle-ci. Elle fait combien de mètres? 6 mètres, c'est assez pour la moisse-batte que j'ai. J'espère qu'elle se plie, oui, normalement. Bah sinon, on peut entendre autre chose.
Par là, Maurice, par là, par là. Va pas, tu folailles, Maurice, tu folailles là. Alors, il faut... Tu crois qu'il faut juste ça? Bon, ouais, mais c'est pas marrant, une map vierge. Tu peux pas, il peut pas t'arriver de bricole. C'est vrai qu'il a rajouté pas mal d'arbres. Hein. Ouh, le salaud. Non, pas trop. Oh, moi, je trouve que si. Ah ouais? Il y en a un peu plus, ouais. C'était un peu plus désert l'autre fois. Ouais, mais c'est, ça va, il a pas abusé, quoi. Non, il a pas abusé. Ouais, non. Mais bon, t'inquiète. Il est parti. Oh, non, c'est pas mal. Si Pascal passe par là, il va lui donner des conseils. Rajoute-en pour emmerder Homer. Bah ouais, mais... Ils sont de cheville, tous les deux, là. C'est qui dit ça? J'ai dit non, si Pascal passe par là et qu'il dit « Oh, il y en a pas assez », tu vas voir, l'autre, il va en remettre. Donc, il a ajouté les piétons, la circulation. De la déco. Pas mal. Et... Ah ouais, la déco cochon, je sais pas si vous avez vu, on va y retourner tout à l'heure. Bah la circulation, vous savez comme moi que la circulation... Ah ouais, non, mais c'est pas par là, Maurice. Là, c'est une voie sans issue. Vous savez à quel point que j'aime la circulation. D'abord, je vais même l'éviter, je vais passer par là. Et un piéton, yes. Oh, il y a une tache de sang derrière moi. Ouh, punaise. Faut pas le dire. Coco a pris des conseils auprès de Pascal. Lol, oui. Pour les arbres, ah bah oui, il en a remis. Mais bon, je vais pas lui dire qu'il en manque parce qu'il y en a largement assez. Mais bon, une map sans arbres, c'est pas beau non plus. Hein. Faut se dire ça, hein. Ah mais j'avais de la paille à presser. Oh, il n'y a pas la presse. J'ai pas acheté la presse encore, donc j'ai pas pressé. Voilà, je m'attaque à un champ, je pense qu'on va passer le reste de la soirée dedans. Parce que là, il y a du boulot, je vous le dis. Mais je croyais que Ced, il avait piqué mon tracteur. J'ai dit, punaise de voleur de Ced. Punaise de bois de lit. Punaise de bois de lit. Il est pas là. Oh mais punaise de bois de lit, j'ai oublié de... Laissez s'ouvrir. Allez, déplie-toi, punaise de bois de lit. Ouh, punaise. Les becs, ils se déplient un par un. Ouh, punaise, c'est beau, hein. Non? Vous en foutez, bien sûr. Oh, bah alors, je vais me taire, hein. Alors, et hop, on est parti. C'est le bouton-là. Appuie, Maurice, et puis on est parti. On va moissonner du maïs. Je sais pas ce que je vais lui refaire dans le champ là parce que. Ouh punaise, il a l'air d'être bien grand. J'ai dû être aveugle quand je l'ai acheté. Non mais je vais en garder un peu pour mettre chez Mo. Non mais s'il prend les cochons, lui, pas de sale. On va peut-être lui garder du maïs. Là faut qu'on mette un silo quelque part. Faut que j'en mette un. J'arrive à en placer un quelque part. Dans le champ là, comme il est grand. On entend et on voit pas Ced. Ouais, mais bon, et puis il est pas beau, alors ça sert à rien de le regarder. Bah ouais, comme on travaille chacun de notre côté, c'est difficile de le voir. Mais je l'ai croisé là à l'instant, vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu le vilain tout à l'heure? Parce qu'il est pas beau, hein. C'est pour ça qu'on ne montre pas la télé. Bah, vous me voyez pas? Vous voyez juste la machine? Et je sais pas pourquoi j'ai gardé la mini carte. Elle me cache la vue. Bon, bah, j'ai pris du 6 mètres, j'aurais dû prendre du 23 mètres. Tiens, bah, vous l'entendez, il siffle. T'aurais mieux fait de prendre la 9 mètres. Oui, ben c'est ce que j'étais en train de dire. En train de penser. Mais je vais faire un peu plus de tours, c'est tout. C'est pas méchant. Est-ce qu'il va être beau, mon stylo?
ton silo de. Mais moi je place un silo. T'as placé un silo ou mon salaud? La piscine là, il va y avoir en plus. Il nous coûte 1 euro. Ah, il est pas beau celui-là. Ah il, bon il est pas bugué? Je sais pas. Bah, tu vas voir. En tout cas, il coûte 1 euro. Ah ouais, bah, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Il m'a manqué les textures. Ah, bah, alors, je le prends pas. Il est tout blanc quand tu la jettes. Que tu je sais pas où, que... où je l'ai chopé celui-là. Ah, je vais prendre celui-là alors. Est-ce qu'il soit pas beau là. Et moi, je peux en mettre, j'en place un et je vais stocker un peu de maïs pour Pascal s'il veut les cochons. Peut-être qu'il est assez grand comme champ. Il est pas mal grand. Impeccable ce que j'ai mis là. Ah ouais, tu l'as mis où? À côté du silo à silage. Ah ouais. Dans la petite cour. Hein. Ah ouais, d'accord. Dans la zone plaçable quoi. Impeccable. Ni trop grosse ni trop petite, plus la bonne taille. Pour... Tu peux mettre un pour toi aussi cartes. Si tu veux. Il y a la place. Hein. Ouais, bah, je vais trouver la place. Je vais le mettre dans le bout d'un champ et puis c'est bon, hein. Pour m'emmerder. Hein. Je vais pas m'emmerder la tête, hein. Bon, je vais aller garer ça là-bas. Non, ici c'est notre abus, il n'y a rien pour garer. À 7 spectateurs, on a un peu moins de monde qu'hier soir quand même. Mais bon, c'est comme normal, ça. Pascal est pas là. Ah, Pascal est pas là, oh, mais bon, il et aurait été fait. Là, ça aurait été pareil. Hein. C'est comme ça, quoi. Oh, punaise. Bah, t'as connu un peu de monde, c'est bien. Allez, je vais chercher une rumbaleuse. Une rumbaleuse? Ouh là là. Tu vas faire des... Paille. Tu vas faire des rumbaleurs? Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a. Pas dit, peut-être que je vais faire des carrés, je sais pas. Je vais la louer, de toute façon, parce que j'en ferai pas non plus. Mais j'aurais fait ce champ, à mon avis, je vais en avoir déjà pas. Bah, si tu prends les vaches après. Ouais, mais là, à mon avis, le champ, il va m'abandonner. Tu t'en sers pas tous les jours, tu vois, d'une. Ouais, c'est vrai, quelque part. Je vais la louer. Quelque part, t'as pas tort. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je fais du carré du rond? Chez classe, la fois. Celle-là, elle va pas me faire la paille. Et, si. Oh, je sais pas, je fais rond, je fais carré, je fais quoi? De faire de faire des carrés je crois. Ah ouais, ouais. Et en deux, c'est à dire que les carrés vont sortir au fur et à mesure, t'as moins de perte de temps pour faire le champ. Bon, à chaque fois faut s'arrêter pour les éjecter. Mais t'as le temps, c'est qu'un jeu. Non, moi j'ai pas le temps, tu sais bien. Ah bah ça, je le sais, t'as jamais le temps, toi.
Et je vais prendre du classe, allez. Allez, il est à fond classe aujourd'hui. Oh ouais, ce soir, c'est soirée classe. On va mettre des pneus Michelin, t'es. Allez. Je vais la louer. Hop là, je l'ai senti. Hein. C'est parti. Bon, de toute façon, tout à l'heure, j'ai vendu 26 000, donc... Eh, comment ça se fait que j'ai perdu tant de pognon, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'en as piqué ou quoi? Oh bah c'est ça, appelle-moi voleur non, aussi. J'ai acheté un silo, c'est vrai. Il est con celui-là alors. Hein. Il se rappelle même plus de ce qu'il fait. Oh bah dis donc, c'est grave. Hein. Allez, c'est parti. Mon kiki. C'est parti mon kiki. Ouh là là, attends le piéton, il a traversé au moment où je suis passé. Oh, le tu l'as écrasé, il y a une mare de sang derrière. Ouais. L'ai écrasé comme il faut. Ouais. C'est une crêpe maintenant. Qu'est-ce qui moissonne bien, hein? C'est pas vrai? Oh, bah, qu'est-ce qui moissonne bien, oui? Quel couillon, oui! Il a oublié de regarder, hein? Il était plein! Oh, punaise! Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon Jim? Je vous laisse, bonne soirée et bon week-end! À toi aussi, Jim! Oula, je crois qu'il y a un herbe là. Oula, eh oui, je m'en doutais. J'ai dit, il y a quelque chose qui coince, mais ça m'étonne pas, il y a un arbre. T'étais coincé, toi? Ouais. Grande buse. Ah ouais. Oh putain. Oh putain. Oh merde, tu as une grande buse. Oui, oui. Il faut que je t'autorise encore. Tu as dit des gros mots, non? Pour toi. Une grande buse, ouais, bah, une grande gueule, une grande buse, tout ce que tu veux, hein. Bon, voilà. Pendant ce temps-là, moi je tournais la manivelle. Et pendant ce temps, autorisé. Toc. Et Popeye, salut! Comment vas-tu? Ah merde, tu as une. Ah oui, je l'ai. Oh, je suis con, moi. Je viens de le lire. Oh là, je suis. Il attend que j'aille me coucher. Hein. Si je commence à lire deux fois la même chose, ça va pas le faire. Hein. Bon allez, on remonte dans la bécane, c'est vide, hein, pas encore. Là, ce coup-ci, c'est vide. Allez, on y go. Avance, Maurice. Et c'est reparti. Du coup, on va fertiliser tout ça après. Oh, oui, punaise. On va rajouter du fumier, du lisier. Car sur la map, on peut acheter le fumier et le lisier au départ, donc on n'en a pas. C'est ça qui est bien. C'est le modo? Non, c'est moi. Ah bah oui, c'est Autobot qui a bloqué. C'est pas moi. Autobot, faut que j'aille voir pourquoi il fait ça. Marche bien ce truc là. C'est vrai que sur Twitch, c'est vrai que j'ai pas mis Nightbot, j'ai pas tout fait, il faut que je termine tout ça. Quoi. J'ai encore du boulot là-dessus. Et puis YouTube, il faut que je trouve le problème. Allez. Voilà, c'est reparti pour un tour, mon kiki. Et punaise, j'ai pas fait deux tours entiers que la trim était pleine. Oh là, regardez, Céd, au loin, il presse. Te presse pas trop vite, hein.
Tu vas en avoir beaucoup de bottes à ramasser. On t'a pas le droit de te l'aude, hein. Tu les ramasses à la faux-fourche. Non. Tricheur, bah. Pas le temps. Bah, ça, on sait. T'as jamais le temps, toi. Tu sais que maintenant, ils font des remorques au tolo dans le réel. Ouais, mais c'est pas les remorques comme tu prends, hein. Ben non, mais on en a, hein, pour les, ouais, pour les carrés, en... là. Ouais, on en a. Ah bah, celle-là, ouais. Si tu peux prendre celle-là, ouais, si tu veux. Ouais, je vais prendre celle-là, ouais. Ça va changer un peu. Je vais prendre une auto-chargeuse. Bah ouais. Mécanique. Plein de coupures sur YouTube, plein de coupures en regardant des vidéos. Ah ouais. Mais je sais pas ce qui se passe avec... Mais il y en a qui arrivent à streamer, mais il faut que je revoie mes paramètres. Je vais tout refaire les paramètres, on va voir. Je regarde avec YouTube ce qui correspond. Et je vais refaire tous mes paramètres sur OBS et puis on verra bien. On verra, on verra, on verra. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Ah merde. Ah, je sais pourquoi ça fait ça. Et il faut que j'aille voir dans les... Je crois que j'ai quoi compris. Je crois que j'ai compris pourquoi ça fait ça. Pourtant, en 8 mégas de débit ordi et ou téléphone, c'est pareil. Ouais, je sais pas. Bah normalement, ouais. Et c'est suffisant pour regarder des vidéos. Hein. Ouais, toujours en vert. Pas de perte d'image, rien sur Twitch, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Ah. Voilà, ce que je voulais regarder, on va regarder tout de suite. Non, c'est là. Je vais regarder tout de suite là parce que j'ai pas été là. Top and go, non, pourtant. Tout est non. Donc, c'est pas ça. Ah. Non, bah non, c'est pas ça. C'est peut-être moi qui sais plus jouer. Bah alors. Oh, punaise. Heureux Fred! Heureux Fred! Heureux, heureux! Voilà, j'ai toussé. Tu nous as manqué Fred pendant ton absence. Bon, non, pas ça a été, hein. Non, tu crois? Tu crois qu'il nous a manqué? Ouais. On s'en est même pas aperçu. Il change beaucoup avec nous, lui. Ouais. Ah bah c'est sûr que dès qu'il en manque un, hein, ça fait un vide. Eh ben c'est reparti. Remangissez mon cède. Ah bah c'est mieux. Ah. Ouais, recarré. Et rebelote. À tout cœur ou à tout carreau? À tout pic, ça pique. Partir à tout pic, ça pique, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à tout trèfle. Ça caresse. C'est, ouais, voilà. Eh, tu me fends le cœur, hein. Oh putain, ça là, les boys. Je sais pas jouer à la belote, c'est dommage, hein.
T'as qu'à te tenir à carreau. Elle n'a qu'à jouer au poker alors, si tu sais pas jouer à la... Eh ben non, il a qu'à jouer à la coinchée. Ou à la quench, ouais. T'as qu'à te cacher dans un coin. Il a qu'à se cacher dans la forêt. Celle-là, elle était petite. Comme le steak caché. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, il se battait au steak caché. À tout cœur, mon mère, car on t'aime. C'est merci, Seb. À Seb aussi, sinon il va être jaloux. Bah oui, alors là, lui, il est jaloux comme une teigne en plus. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Et il fait des bobottes là. Ouh là là. Oui, des bobottes. Oui. Il y en a beaucoup, hein. Mon dieu, je vais pouvoir en vendre, moi. Bah, je crois que là, tu vas avoir un stock de bobottes. Je vais faire le toro, sinon j'en ai jusqu'à demain. Là. Bah, déjà, tu n'as pour un petit moment à les faire. Elle est pressée. Ouais, c'est pas fini. Mais c'est pour ça, j'ai bien fait de prendre la carré, là, parce que j'aurais pas fini, je te le dis. Hein. Mon ouais. Dieu. C'est grand le champ, je l'avais pas vu si grand que ça, mais il est immense. Bah ouais, il est énorme. Il est grand. Vous voyez, il est à côté de moi. Il est pas loin. Je vais peut-être regarder ce que je fais aussi, parce que sinon... Bonjour les dégâts. Oh, j'irai jamais jusqu'à la remorque, Maurice. Je vais être plein vent. Si je vais jusque dans l'angle, j'aurai de la chance. Ah si, je vais aller jusque dans l'angle, normalement. Si tout va bien. Oula, ça va être juste, Maurice. Ça monte vite, ça monte vite. Eh, punaise. Oh, que je suis bon. Pile poil dans l'angle, elle est pleine. Ça monte vite chez toi, moi ça monte doucement. Oh, c'est quand même un gros malin. Hein. Et là, on dit des conneries lui aussi. Oh punaise, oui. Oh punaise de bois de lit. Oh. Oh, il est con. Oh, il est con. Oh, qu'il est con. Et la façon qu'il l'a dit qui m'a surpris, quand même. Hier soir, je me suis couché, j'ai cherché des punaises du bois de mon lit partout, je les ai pas trouvées. Heureusement que... J'ai dit à ma femme, fais gaffe, il y a des punaises dans le bois du lit. Ça va rester, ça. Bah oui, maintenant, c'est mort. C'est mort. C'est moi qui ai failli mourir. Oh là là. Pourquoi t'avais des punaises? Parce qu'il y avait des punaises partout dans mon bois de lit. Ça m'a gratté toute la nuit. Oh punaise. Des bois de lit. Oh, jusqu'au bout, le petit bout, grand bout. Oh là là. Allez. Petit bout, les grands bouts. C'est comme tous les hiboux. Oh là 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 là. Là je crois qu'il est tombé, il a dû se cogner la tête. Aïe aïe aïe. T'as un micro qui s'affole, t'es. Il y aurait pas de coco dans le coin. Si. Coin coin. T'as toujours pas reçu ton micro toi en fait? Ah non. J'ai des problèmes pour l'oreille pour l'instant. Ah ouais. Non, j'ai vu que tu avais des questions. Ouais, et non, il n'y en a pas beaucoup. Avec Amazon, je t'explique pas la zone. Mon dieu. Mon dieu. T'en as vu des questions, toi? Moi, j'ai vu beaucoup de réponses. Donc, oui, c'est la map champ de France. Et non, il n'y a pas eu de questions. Si, des questions, quelle map? Des trucs comme ça, quoi, c'est tout. Bah, comme d'hab.
Comme d'hab, il en a répondu, bien sûr. Allez, on dit... Ah non, ils l'ont pas dit. Son Messenger, on m'a demandé. Ah, son Messenger. Allez, on dit... Bah non, il est en test. C'est pas la même chose. Bon, après, je réfléchis. Si je vais mettre... une deuxième cop ou pas, quoi. Ça, ça me fait faire un boulot en plus, là. Et puis la map a pas encore prendre du poids. Ah bah un peu, oui. Il faut que je rajoute des textures et tout, donc ça qui me saoule. Bon, je réfléchis. De toute façon, je vais laisser comme ça. Il n'y aura pas forcément beaucoup de points de vente. Après, c'est toi qui vois. Bah, oh purée, je me suis déjà fait rentrer dedans. Allez, vas-y, vive la circulation. Faut que je règle ma route quand même, parce que là, il n'y a pas de neige dessus. C'est... Ah ouais. Je crois que ce champ-là, là, je vais le revendre après. Il est trop long, il est trop grand. Bah pourquoi tu l'as... Tu l'as acheté? Pour le labourer, il faut deux lives, là. T'es malade ou quoi? Oh, punaise. Mais non, tu mets l'ouvrier dedans. T'es con quoi? Des grands chocs comme ça, tu peux t'amuser à mettre le l'ouvrier. Ah là, bah là oui. Surtout quand t'es en test. Fais deux fois le tour et après, faut l'ouvrier. Ah bon, c'est. Ah, faut mieux. Ouais, je crois que là, y'a pas le choix. Faut tomber. Ça a pété un câble, elle a bourré ça. C'est chiant quand ils demandent si elle est en DL dispo, ils peuvent pas attendre, c'est les Français. Ça tout de suite. Ils veulent tout de suite, oui. Bah non, mais des fois ils vont te demander une map et tu la veux quand? Bah dans 2 secondes. C'est un peu ça, quoi. Mais ouais. Tu la veux pour quand? Pour avant-hier. Ils font comme charte. Pas pratique ça. Non. Oh merde. Et t'as vu ah comme t'es... Charles. Ah ouais. Il a écrit en gros. Confoiré moi. Il a enfoiré. Il est con. Allez, excuse-moi, j'avais mal vu. Avec ma vue basse. S'ils sont pas contents, ils vont. Bah ouais. Ils vont qu'à faire leur propre map. Mais bon, il y en a qui. Il y en a qui arrivent à faire des maps et il y en a d'autres qui arrivent pas. Hein. Ouais, moi par exemple. Mais quand il n'y arrive pas, il suffit d'être patient. J'y arrive pas, moi. Merde, c'est pas celui-là, putain. Mais quand j'aurai changé ma souris, je vais quand même tester. Moi, je veux pas mourir con. Ouais, parce que Homer, il va échanger sa souris contre un rat et de suite, ça ira mieux. Bah oui, c'est plus gros donc. Il a bouffé un clone ce soir, lui, ou pas? Je sais pas, mais là, il en sort des conneries. Bah, il essaye de remplacer Pascal, il a du mal, hein? Ouais, bah oui. Hein. Il a quand même pas le niveau. Ah, il a moins de cheveux. Ouais, ça doit être pour ça. Ah, mais dis donc, ça y est. Oui, mais le nez n'est pas passé. Le bout du bout. Ou les chaussures, ah ouais. Ouais, rends-moi cette presse là, ça me fait mal à la tête. T'as fini de presser au moins? Ouais. Maintenant je vais aller chercher un plateau. Un plateau. On va prendre un grand plateau qui peut mettre à 60 bottes. Tu prends un deux lits, t'as qu'à faire. Prendre un deux lits? Ouais, un deux lits. Ou la 3 essieux, la longue. Ah ouais, tu mets combien de bottes? 40 et quelques? La 12 mètres.
Je sais pas, il en a, c'est pas marqué. Non, c'est jamais marqué. Ah putain, j'ai dit. Je suis dans la neige, c'est terrible pour tourner. Ah ouais? Mais mec, à quoi tu patines? Comment tu glisses? Avec la neige, là, c'est incroyable. Sur le 19, comment tu glisses? Il y en a, ils m'ont fait triper quand même. J'ai vu des trucs. Les mecs, ils avaient des congères sur la map. Ah ouais? Il y en a, ils ont des congères. Hein. C'était sur champ profonde aussi. Voir sur les maps d'origine ou je sais pas lesquelles là. Ils avaient 1 mètre, 2 mètres de neige. J'ai dit wow. Là, ils ont. Bah après, ça dépend du géo qu'ils prennent. Mais des congères quand même. Max le 17, nous on les faisait les congères. Ben, on traçait. Sur le 17, oui, on a fait un truc, je me rappelle. On était en mode saison et pour faire les cons, on a téléchargé des quads, ouais. Des quads, et on avait fait un circuit et il y avait un mode où il y avait des rampes et tout. On avait placé des rampes et tout. Eh ben t'as, qu'est-ce qu'on a rigolé toute la soirée. Ah, on en a fait des figures. Hein. Des tout droits aussi. Hein. On avait bien rigolé. Et je crois que faudrait que je retrouve ça. Je crois que j'en ai fait une vidéo. Faudrait que je retrouve ça. Je la mettrai sur Discord si je la retrouve demain. Là, vous allez vous tordre de rire. C'est comme les battles sur Farming 19. Nous, sur le 17, on en faisait déjà des battles. Donc, ils ont rien inventé. Hein. Vous ne pouvez pas effectuer ce truc ici. Pourquoi? Ça diminue. Je vais l'avoir, le champ. Je vais l'avoir, je le sens. Force pas à faire. Et pendant ce temps là, le boulot quoi? Pendant ce temps là, il y avait pas de boulot, on était en hiver, on pouvait rien faire. Une vache nourrie, t'avais plus rien à faire. On va faire ça. J'en connais un qui a enlevé la destruction de culture. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse un ensilage? Je suis en mode saison. Je vais t'obliger de le désactiver. Oui. Ah bah bien oui, je suis con. Ah bah ça je l'ai pas dit, hein. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire. Moi j'ai bien fini par avoir une benne entière de maïs moi. Salut Dark Mac. Regardez l'autre, il a ramassé ses bottes là. Regardez-le, le sauvage là. Il roule comme un fou. Il y a Tony. Tony, il me dit hey, Coco, je dois faire quoi au fait comme test? Je lui dis bah rien. Tout a été fait déjà. Il n'y a rien que j'ai vu qui marchait pas. Ouais. Bah oui. Après, faut qu'on teste les animaux à fond, quoi. C'est des détails et tout, ouais, avec le mode saison surtout. Ouais. Après, ouais, si, il faut que je vous envoie cette version là que j'ai. Puis que je règle les paramètres pour multijoueur aussi. Ouais. Bah oui, parce que ça aussi, il faut que ce soit testé. Bah oui. Parce que là, elle est paramétrée en monoferme. Bah oui. Après, je vais voir, je vais peut-être utiliser le même fichier que j'ai trouvé pour Pacal.
Mais non, mais je suis con en fait, ça marche encore pas. Ça. Bon, je vais essayer, mais ça marche pas. Tu as quoi comme matériel? Bon, pour le moment, comme on est en test, on a un peu de tout. Bon, pas grand chose. J'ai une moissonneuse, un tracteur et une remorque pour le moment. Donc la classe Tucano, le Dutz série 7. Et une remorque, quoi. Donc, pour le moment, pas grand chose. Et comme pendant les tests, on change souvent de version de map, ben, on n'en achète pas beaucoup de matos, quoi. Ça sert à rien. Allez, dépêche-toi. C'est l'idée de mettre la circulation aussi. Ah bah, tu connaissais le mapper, t'es qu'ils ont touché un mot. Puis moi, comme tu le connais très bien, t'as qu'à lui mettre au pied ou au cul. Ouais, bah, hein? J'aurais du mal. Je vais dire à ma femme de me frapper. Alors. Bah voilà. T'as que je lui le dise. Est-ce que j'ai le truc mon étoile? Ah non, je l'ai pas mis, ah con. Et t'as mieux que mon étoile là. Ouais, je sais, mais je crois que j'avais celui-là dans les modes. Encore une map de merde, lol. Comme Agri France, lol, oui. Non, non, c'est pas une map de merde, merci. Si c'est une map de merde, au pire, je la garde pour moi. Hein. Ouais, non, mais oh, il rigole, c'était une, c'est Seb. Seb? Ouais, mais pas Seb 15, c'est un autre Seb. Je suis de retour, les amis. Ah, bah voilà Seb 15, tu vois, décidément, on livre là tous les deux. On est envahi de Seb. Bastien. Tu as mes maps perso ou pas? Ben non, j'ai pas tes maps. Pourquoi je les aurais? Oui. C'est le mode saison. Non, ça traverse encore. Putain. Voilà, bon, mais j'ai fait quoi? 50 bottes en tout dans ce champ. Oh, c'est tout? Ouais. Bah, tu faisais tout un foin. Quoi? Ben ouais. Putain, mais c'est dingue, 50. Ça traverse, mais moins. Hein? Oh, je trouve toujours pas l'histoire des codes pour pas que ça traverse. Ça me souvient. Ah ouais? Ça traverse pas partout, alors c'est bizarre. Ah bah ouais, mais bon, c'est ce qu'il y a de plus important, Seb. Bravo à toi Coco et encore merci à toi Coco de penser aux joueurs parmi... Je rigole. Oui, bah il avait compris que tu rigolais. Il est pas teubé. Bon, Marc, des fois je me demande, mais bon. Moi je rigole pas. Elle sera privée, puis c'est tout. Et là, il rigole pas. Hein. Non, mais comme ça, elle est comique. Oh, plus comique, moi. Mais marre. Marre des culs, marre de chier, marre de péter, marre de... Eh ben, il est en train de nous faire une dépression, le cocotte. Dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans le temps?
J'aurais pu dû prendre un plus petit bec encore, moi. J'aurais fini si j'avais pris le 9 mètres, hein. Hey, Tétine Seb, là, il dit j'adore tes lives mapping, Coco. Modding, plutôt. La modding, non, c'est du mapping qu'il fait. Tu t'es trompé, là, t'as pas dû regarder le bon live. Ou alors tu m'aimerais mal. Maintenant, quand c'est trop Coco, ou Tropico, Coco. Je viens de voir un tracteur et je l'ai pas. C'est quoi cette connerie? Ça va pas valider ou quoi? Ah bah oui, j'ai plus tout. C'est normal que ça valide pas là. Oh, puis je peux pas emprunter plus fort comme ça. Plus de correcteur. Plus de correcteur. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'es... Ah, cherchez pas des excuses. Vous cherchez des excuses bizarres. Hein. Correcteur, il a le don large quand même. C'est trop Coco. Du coup, elle sortira peut-être pour le jour de l'an. Ah ouais? Bon bah, t'auras autre chose à faire que de mapper entre Noël et le jour de l'an. Certainement, je travaille. Bah voilà, donc... Je travaille, je suis en vacances à Noël, mais je travaille le 31. Ah, tu travailles le 31? On l'entend plus le CED là, il disait peut-être connerie tout à l'heure, maintenant on l'entend plus. Alors je te bosse moi. Tu bosses toi, ça serait si tu bossais. Il fait semblant. Bah comme d'habitude. Hop. T'as combien de visio là? Là 7. Parce que je les vois pas. La nouvelle chaîne, elle marche pas. Laquelle? La nouvelle chaîne YouTube. Bah non, YouTube, c'est même pas la peine. Le 24 et 31. Toi, tu bosses le 24 et le 31? Bah t'as pas de chance, toi. Bah bosse, feignasse. Mais il a faux qui bosse. Hein. Ouais. C'est d'assécher au bout du champ, ouais, c'est possible aussi, ouais. Non, je range mon matériel. Oh là là, il commence à ranger. Oh là. On va aller boire un coup. C'est l'heure de la pause, les amis. Encore? Mais tu fais que ça? Mais j'en ai pas fait ce soir encore. Ah, si, je t'ai. Moi non plus, et ça fait une heure et demie qu'on est en live. Oui, hein. Une heure et demie. Salut Christophe, Luc, comment vas-tu? Mine de rien, mine de crayon. Putain, la remorque est pleine, il faut que j'aille vendre ça. Voilà, après je vais m'acheter une charrue, un tracteur. Et... Encore un tracteur? Il t'en faut combien de... Pour l'ouvrier. Ah ouais. Il faut bien un tracteur, parce que le client d'ouvrier, il coûte cher. Bon, j'ai mes 50 bottes, mais j'en ai deux qui sont tombées là-bas, je vois. Le chercher. Ça va très bien, mais je sais. Bah oui, bah tant mieux. Moi, ça va très bien. Là, je joue sur le TS2. Ah, bien. Franchement, elle est bien, ce combat. T'as le TS2, moi, il faut que je reconfigure mon volant parce que. Ou mes pédales parce que j'arrive pas à faire de marche arrière dessus en ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé. À l'autre jour, j'ai cherché pourquoi et j'ai pas trouvé, donc ben j'ai éteint le jeu et je dis on verra ça plus tard. Mais moi, ça risque de durer 6 mois. Bon, je reviens. Je reviens, d'accord. Je vous prends avec moi. Là, tu nous prends sur tes genoux. Ah oui.
Alors, salut, je te conseille. Ah bah ça y est, maintenant je suis traqué, j'ai plus besoin de lire le chat, il va le faire pour moi. Ça, quand il va faire sa pause, il fait que ça. Et là, il va dire des conneries. C'est qui celui-là, là pour... Qui? Je connais pas ces quiches. De quoi, de qui tu parles? Un message que j'ai là de quelqu'un que je connais pas. Sur Discord? Ouais. Ah ouais. J'ai pas trop pigé d'ailleurs le message. Mais... Attends, mais... À suivre, à faire à suivre. Alors, je voulais vous prendre, et voilà. Voilà, vous allez voir ça, non ? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Mais non, il n'y a pas. Ah, ça devient calme. Comme dirait l'autre, c'est le calme avant la tempête. Mais il n'y aura peut-être pas de tempête aujourd'hui. Fred dispo demain ou pas? Eh ben, il pleut chez moi. Il pleut chez toi? Mais je crois, moi, ça s'est arrêté, moi, toujours. Ouais, non, ça flotte bien encore. Du bien prendre l'air quand même. T'as moins un Porsche, t'as l'abri ou t'as mis un Kawai? Ouais, on entendait ouais. Une mouche péter, oui, c'est vrai. Eh, ça arrive, hein. On peut pas te taquer tous les jours. Hein. Oh là, il est dispo demain soir, qu'il a dit. Oh là. Out. Pourquoi t'as ça pété toi? Non, c'est Titine et Fred, ils vont sans doute jouer tous les deux demain soir. Ah. Ben voilà, ils ont trouvé du beau monde. Ils se sont trouvés. Bah oui. Après, je sais pas si c'est des pros de farming. Hein. Eh ben c'est comme ça le vieux. Nous on est loin d'être des pros et ça le fait, on se régale. Sur Messenger. Bon, fais gaffe, je te surveille là. Il est Twitch, Twitch. Là, t'as toujours ta bus de sortie, toi. Tu peux pas, hein. Bah, j'ai pas la rentrée. Ça sert à rien, il faudra la ressortir. Ben voilà. Oh Dieu. L'œil de Moscou. Sauf que de rouler la buse ouverte comme ça, t'abîmes les axes de la buse. Ben non, elle bouge pas, arrête. C'est quand tu la dépliques, tu la repliques, t'abîmes les axes. Même là, parce qu'avec le poids qu'il y a dans le vide là-bas, ben ça travaille sur l'axe de la buse. Ouais. Eh oui. Je dirais bien une connerie, mais je vais me taire encore. Ouais. Il est encore trop tôt. Allez, on va aller vendre la première benne quand même. Je vais voir le bout de ce champ, hein. J'ai pas l'impression. Ouais, si, il est bientôt fini. Ça va aller vite maintenant. J'en ai encore un immense à faire, moi. On va en garder un peu pour demain. Bah, si vous les trouvez vraiment très grands, je peux en couper pourquoi, un. Homer, c'est ton live? Non, non, c'est pas son live, c'est le mien.
Là, c'est le lac d'Omer. Moi, je suis Joe l'Incruste. Vous connaissez Joe l'Incruste? L'œil de Moscou. LOL. Pourquoi Omer, c'est ton live? Parce que c'est pas le mien. Parce que. Ben, je sais pas, parce que. Je sais pas. Cherche. Pourquoi c'est le mien? À ton avis? On a d'autres des trucs aussi idiots, toi aussi. Ouais. Là, tu t'enfonces, Maurice. Hein. Le morpion. Ouais, moi, je suis le morpion. Je suis le morpion du live. Faites gaffe, vous allez avoir les couilles qui vont gratter, les gars. Mais toi, t'exagères quand même. Là. Le live, il appartient à JC. Mais il est un peu à moi aussi. Maintenant, je suis de la famille, moi. Un cousin éloigné. On va appeler ça comme ça, le cousin éloigné. Tiens, j'ai. Ouais, trop tard. On est juste éloigné de 500 km, c'est tout. C'est pas loin. C'est non, ça fait pas beaucoup. On ouais, peut se serrer la main tous les matins et tous les soirs. Oui, des grandes mains. Cousin éloigné, c'est pas par les kilomètres, hein, gros malin. Tu voulais dire quelque chose et tu t'es retiens. Et cousin Hugues. Et je te retiens. Ouais, bah. Omer. Ah, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Hein. Il est trop tard. Et un poisson rouge. Oh punaise, j'ai vendu 30 000 de maïs. Il fait même pas un tour du bocal qu'il a déjà oublié. Oui. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre de suite après. Ah, c'est encore plus rapide quand ça ressort. C'est à peine rentré, c'est déjà. Oh punaise, une voiture. Encore une. Mais encore une! Mais c'est fini, oui! Eh, c'est quand que je passe, moi! Ouais, tu as raison, Titine, c'est un peu ça, c'est un petit Nemo. On aurait dû l'appeler Nemo, d'ailleurs. Non, Dory. Oh, tu vas me laisser passer, toi, Kono! Oui, parce que c'est vrai que Nemo, il est trop intelligent. Ah ouais, ça y est, ils sont intelligents, hein, s'arrête. Salut, Olive! Une S de voiture, mais je croyais jamais passer. Hein. Elle est le fermier en folie. Merci à toi. Bah maintenant que vous m'avez fait chier, je vous dupe tous. Allez, vous avez vu la fusée là? Hein? Bande de connards, va. Ça veut même pas conduire. Oh punaise, le camion il m'a arrêté. Oh punaise! Eh ouais, je savais que j'aurais été arrêté. Et hop là, je suis arrivé trop vite. On l'entendait plus, on le voyait plus, et là il ressort au pointe. Et là, oui, ben là, je crois que je suis dans le caca, Maurice. Et Olivier, tu devrais passer plus souvent, hein. Qui? Regarde, il nous a réveillé le chat. Ah bah oui, là. Ça y est, ils sont tous réveillés maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il... Ah bah ouais. J'ai l'impression qu'il y a un problème, chef. Oui, j'ai mis la circulation. Ça les fait bien chier, t'as vu? Non, moi j'ai pas. Ça fait animation. Comme ça, la mère. Elle passe la marche arrière, bordel, merde. Mais non, t'as un camion derrière. Bah, j'avais pas remarqué, mais attends, tu vas voir. Tu vas voir. T'as un dot ou t'as pas un dot? Attends, faut que je retrouve ma manette. Là. Là, attends Maurice, voilà. Hey, t'as fini avec ton camion toi okay, mais je dételle là, voilà, bah non passe. Voilà, dépêchez-vous. Il y en a combien encore? Oh Omer, punaise. C'est la faute à Olivier, Omer. Ouais bah quand tu passes c'est le bordel, oui, bah oui en effet, t'as remarqué aussi toi. Bah déjà quand je suis là c'est le bordel, alors quand tu passes... Hein? Ça ne peut être que le bordel, ça y est, ils sont tous passés. Ouh, punaise, j'ai eu chaud, hein? Ils m'ont fait peur, ces cons. Allez, ça y est, je m'en sors quand même. Pète la gueule au maire ou au chauffeur de la toupie. Ouais, mais t'as vu le balèze? Pfff, ils m'en mettaient une. Je faisais 7 fois le tour de mes chaussettes sans toucher. Non, c'est pas ça. C'est le fois de tour de ton slip. Non, de caleçon. Sans toucher les chaussettes. Voilà. Je savais bien que je m'étais trompé d'ordre. Mais je savais plus dans quel ordre il fallait que je remette tout ça.
Hop, friend Maurice. Il n'y a rien qui presse. Moi, je vais aller boire un coup chez moi. Encore ? Hop. Punaise, mais tu fais que de boire ? En fin de compte, je bosse tout seul comme un con. Eh punaise, mais les machines qui veulent plus me laisser passer. Et moi qui ai envie de fumer une cigarette, j'attends que tu viennes me remplacer. Hop. Oh, mais j'ai fini, moi, je vois. Okay. Ah bah là, au moins, dans le champ, on est tranquille, il n'y a pas de circulation. Un peu tranquille. Ça peut s'arranger. Ah non ! Fais pas ça quand même. Merde, si je démarre pas le moteur, ça va pas marcher. Allez, on a terminé ce champ de merde, il est grand grand. Après, pour le labourer, je crois que je vais mettre deux ouvriers. On va voir comment ils se comportent. Ils vont peut-être bien me labourer toute la map, du coup. D'un seul tenant. Ils sont capables, les ouvriers, sur farming. Ils sont encore plus teubés que moi. Pourtant, moi, j'en tiens une couche. Me le dis. Et pourquoi tu roules dans ton micro? On dit trois fois de tour de mon slip sans toucher l'élastique. Ouais, ouais, c'était... Bah, c'est ce que je voulais dire, mais bon, j'en m'a trompé. Bah, est-ce que... Ce que j'ai dit était pas mal aussi, quand même. Cette fois le tour de ton caleçon sans toucher les chaussettes, c'est pas mal aussi. Ça y est, te voilà arrivé. Tu vas faire quoi, Maurice? Moi? Ouais, rien. Et je vais acheter un tracteur et une charrue pour labourer. Oula. Tu vas labourer qui? Ou quoi? Mon champ. Ah bon. Alors, une charrue. Oh là là, il m'a pas mis ma charrue. Mais non. Tu crois? Mais ouvre les yeux! Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être labouré ce truc? Normalement, ils sont tous à labourer. Non, j'ai fait le 21. Il faut le labourer. Oh punaise! Le ouais. Bois de lit. Punaise, le bois de lit, il faut le labourer. J'ai pas de charrue. Tu vas t'amuser là! Alors, je vais prendre. Ça dit doigt. Décompensateur. Là, c'est pas ça qui ronfle dans le micro. Hein. C'est Coco. Décompensateur de 8 mètres. Hein? Un décompensateur de 8 mètres, je vais prendre. Un décompacteur. Pas un décompresseur. C'est pareil. Bah non! C'est pas tout à fait pareil quand même. Merde. T'es con quoi, t'en fais spray? J'ai l'impression que t'es con, moi. Je vais pas acheter de tracteur, j'ai pas de pognon, mais je vais faire avec celui-là et puis je vais le regarder tourner en rond. Ah bah voilà. Tiens, moi c'est ce que je vais faire, moi. Je vais activer la moissonneuse, je vais activer l'ouvrier, je vais aller me faire une cigarette, tiens. Ah, tu m'as donné l'idée. Merci Maurice. Eh oui. Bah, il va pas faire de si belles manœuvres que moi, mais... Allez. On l'active. Allez, Maurice. Travaille. Bah lui, il plie la buse, lui. Hein. Vous voyez que c'est pas moi, là. Parce que moi, je laisse la buse ouverte. Hein? Qui se ressemble s'ensemble. Oui, c'est cela. Bon, je ferme mes cigarettes. J'en reviens. Pareil que qui se ressemble s'ensemble. En avant, Gingham. Hop là, allez, c'est parti. Parti mon Guigui. Hop. On va aller retourner ce champ là. On va faire le petit tour. Et puis on va mettre. Oula. Je suis bourré quoi moi. Eh ben. Alors.
c'est par où? C'est par là. À la gauche, ce tracteur, il me paralyse ma fer, je crois. Ou c'est le gars ou c'est le tracteur, je sais pas, mais ça tire un peu à gauche. Alors, comme vous voyez, moi je peux faire fumer ma cigarette tranquille, tant qu'il fait sa manœuvre, il en a pour 3 jours. On va le laisser, on va le regarder travailler un peu. Ça fait du bien, ça fait une petite pause. Juste régler la caméra pour voir. Ah, Fred, il fait sa pause aussi. Bon, bah là, on est calme hein, ce soir. Il en manque un. Ouais. Le trio n'est pas là, entier. C'est bah parti. Oui, mais on n'est que deux, donc le trio c'est n'est pas parti, là. Mon kiki. T'es parti où, toi? Je décompense. T'es décompense? Ah, oh, d'accord. Ah, il est là, dans le clan. J'assure que c'est même pas toi qui es sur le tracteur. T'as mis l'ouvrier, quand même, non? Non, pour faire le tour, c'est moi, là. Après, je mettrai l'ouvrier. D'abord tout le tour de mon champ. Ouais mais c'est ouais mais et après, je vais mettre Fred au boulot là parce que... Ah bah oui, si tu vas dehors ça caille. Oui, après, bah je suis dans mon bureau, je suis tranquille, je suis au chaud, j'ai mis le chauffage, moi je suis pas fou hein. Je vais pas aller dehors. Et bien pour ça que j'ai fait une pièce indépendante de la maison, moi je peux fumer. Pas fou l'aveugle quand même. On voit le Fred au loin. Le Ced au loin. Je sais pas pourquoi j'ai dit Fred d'abord. Petit obligé, oui, je sais. Je sais ce que c'est. Je ne fumais pas dans la maison quand mes enfants étaient petits, même grands. Et quand ils sont dans la maison, je ne fume pas non plus dans la maison. Ben on fume pas dans la maison devant. On fume juste dans la pièce à côté. Et à l'époque que j'avais les gamins à la maison, quand on allait en voiture, qu'on partait en vacances, eh ben, j'étais des fois 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures sans fumer, quoi. Parce que je fumais pas dans la voiture non plus. Ils ont pas besoin de fumer. C'est clair. Bah oui. Putain, hein, il est lent à faire ses manœuvres quand même. Hein. Et non, ils ont rien demandé, eux. C'est vrai. Aïe, ah, il accélère quand même. Oh punaise, il est lent. Hein. Moi, je crois que je vais le laisser finir et il travaille tellement bien, l'ouvrier. C'est agréable de se reposer. Bon, moi, je peux lire le chat sans rien dire, sans rien faire. Sans rien dire, ça m'étonnerait, je parle tout le temps. Bah, pas tout le temps. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il y en a un qui dit coucou, il dort. Ouais. Ah oui, non. T'as entendu? Ah oui, j'en ai vu un qui a dit ça. Oui. C'est Titine. Il a quand ça titine dans la bouche, c'est pour ça qu'il fait des fautes de frappe. Ça va pas mal décompresseur. Ouais, le décompresseur il marche bien, regarde. Mais le décompresseur que t'as pris, il laboure pas, hein. Si. Si. Si, si. Vous allez voir. Bah bah si. Faut regarder. Eh merde, si je me trompe de touche. Bon, moi je peux me promener, la moisson se termine. Eh non, il laboure pas, Maurice. Et ah non. Voilà. Regarde sur la carte, tu vas voir bah que si. Non. Bah si, bah si. Ah si, attends, bah je regarde. Et si. Je sais, parce que j'ai déjà utilisé plein de fois, donc... Ah si, en plus c'est vrai, et il a... Si. Pour une fois, il a raison.
Ouais. Ah bah je savais pas que celui-là est... Parce que t'as pas le truc de labour, quoi. C'est même écrit dans le truc qu'il peut remplacer une charrue pour labour. Ah ouais. Pour labour. Ah bah je savais pas, tu vois, bah tu m'en apprends une. Eh bah tu vois, ouais. Le mien j'ai pas besoin de le labourer, c'est con hein. Tu vois, tu vas mourir moins con ce soir. Ah oui, bah oui, c'est là je vais dormir moins con. Pour une fois que tu m'en apprends une. Ouais, t'as pas pris le petit non plus, hein. 8 mètres. C'est ce qu'il faut aussi, hein. Ça va plus vite. À 12 km/h. Ouais. Bon, il est où mon ouvrier, lui? Il a fini ou quoi? La taille du champ, il va énorme pour un moment. Bon, oui. Moi, je crois que je vais acheter un gros tracteur et un gros culti. Oh, ouais, non, je vais faire du semi direct. Mais avant, il faut que je mette du lisier. Donc, on va acheter quelque chose tant qu'il finit de moi. On va acheter une grosse cuve à lisier, tiens. On va acheter la plus grosse. Tout 240 chevaux, 30 mètres. On va acheter. On va rien changer. On va acheter un tracteur pour mener ça quand même. On va l'acheter lui. On va lui mettre des Michelin. On va lui mettre le masse équilibré, pneu large avec masse, bien sûr. Non, pas non, c'est vilain ça. On va mettre comme ça quand même. Là, on va le mettre comme ça, ça d'accord. Là, on va le mettre en 1050 quand même. Voilà, acheté. Voilà, on a un tracteur. Qui va pas rigoler là. Toi qui finis l'ouvrier, eh ben il est plein, quel connard. Faut que j'aille chercher, il est où le tracteur? Il est là-bas. Alors, Titine a quand même 45 ans. Ah ouais, et toutes ses dents? C'est juste mon pseudo. Terre sauf. Oh bah punaise. Oh punaise, tu parles d'un pseudo toi. Titine a fait longtemps que je l'ai arrêté, bah j'espère pour toi quand même. 45 ans, Titine. Ouais. Ah là. Le même âge, Titine. On le dirait pas qu'il a 45 ans. Mais putain, il veut plus avancer, lui. Titine. Bon, on va aller chercher le tracteur, on va passer le lisier. Là, on s'emmerde pas, hein. Par contre, la circulation va quand même me faire chier, je sens. Là, on est obligé de mettre les gyros parce que là, convoi exceptionnel. Vous avez déjà vu ça, un tracteur qui loupe des voitures? Elle est sympa, le fun, hein. Moi j'aime beaucoup la texture de cette terre, alors ça change, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Là, là-dessus, il a assuré le coco. J'ai l'impression que tu peux, parce qu'à la limite, j'ai l'impression que tu peux la toucher, la terre. Un effet de réalisme. Voilà. Bah oui, du lisier, bien sûr, c'est une tonne à lisier. Vous êtes con. Et voilà, je vais acheter mon lisier.
Ça fait discothèque avec les gyrophares, quand même. Y a même plus besoin de faire les vaches pour avoir du visier, même le fumier. Oh là, arrête Maurice. Mais pourquoi t'avances Maurice? J'appuie sur le frein, tu devrais pas avancer. Rien à pour un moment à la remplir. Bah oui, il fait toujours meilleur à l'intérieur. Hein. Quelle idée d'aller dehors. Là. Attraper la crève. Il en manque 4. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il te manquait 4 dents, Titine. Je sens pas le moisi. Ah bon, ça va. Moins 5 degrés. Oh, bon, ça va. Il fait pas froid. Ah oui, l'hiver approche. Elle va pas aller en s'améliorant. Allez, ça y est, voilà les 30 000 de purin. Merde, recule Maurice. Allez, maintenant je vais mettre Seb au boulot. Tu vas mettre ton ouvrier. Tiens, je vais essayer l'ouvrier au lisier, moi. Les mecs, ils veulent plus rien foutre, ils mettent les ouvriers. Et moi, si je faisais ma marche arrière comme il faut, ça marcherait mieux. Allez, c'est parti. Homer, tu bailles et moi aussi du coup. J'ai baillé moi. Ah bon, c'est possible. Je m'en rappelle plus. Oh punaise, il me reste déjà presque plus de sous. Oh punaise. Bon après, faut voir les engins que je prends aussi. Oula, ça c'est la sauvegarde. T'as acheté quelque chose toi, non? Non. Bah c'est la sauvegarde. C'est contagieux, oui. Je vais même pas me payer un arbre. Oh, mais il a fini, Tartampion, il a fini. Bon, on va voir ça tout à l'heure. On va déjà déplier la machine. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va m'arriver. Ah non, c'est bon. Si je le savais que j'allais m'emmerder encore avec un arbre. Voilà. Allez. Ah, il n'y a pas besoin de la baisser celle-là. C'est parti mon kiki. Regardez comme c'est beau, sauf que je vais peut-être pas en mettre partout, mais... On voit bien le caca, hein.
Et on voit bien l'herbe. On va pas en mettre chez le voisin, il n'en a pas besoin. Putain, ça descend vite. J'aurais dû mettre le débit un peu moins fort. Oh bah merde. Le A15. Oh wow. Putain, le mec il fait ça bien. C'est vrai qu'il a fait ça toute sa vie. Mettre du caca. Tant qu'il passe par-dessus les clôtures, mais bon. J'avais rien vu. Ah ouais, c'est à l'amour bien. Hein, qu'est-ce que tu racontes? T'as sorti la grosse artérie, bah oui, parce que t'as vu la grandeur du champ. Faut pas bricoler, hein. Pas beau ça. Et voilà, il y a plus de caca déjà. Il faut que je regarde si je peux le régler. Le débit. Ah non, j'ai pas le min mode quelque. Et tapis pour moi. Ça m'apprendra. Bon, on va en rechercher d'autres. Est-ce que je vais m'y retrouver, moi? Ouais, ça y est, je vois que je suis là. Et te redemande à chaque fois la même chose. Ils sont cons, ces Roumains. Bien silencieux tout le monde là. Là, ils sont silencieux, silencieux. Ils se sont peut-être endormis sur les... Non, Céd a dû s'endormir sur son tracteur. Non. La fatigue du week-end, alors. Hugo de 22-12, salut! Comment vas-tu?
Est-ce que tu joues sur PS4 à Farming Simulator 19 car je cherche des gens avec qui jouer? Eh ben, je suis désolé, je joue sur PC. Donc, je ne joue pas sur PS4. J'ai le tracteur, il est un peu léger celui-là. Tu vas prendre lequel? Pas grave, t'inquiète. Non, ben. Je sais que c'est pas grave. Mais je suis un enjoint. Là, ça y est, je bégaye. Je suis un ancien joueur console. Mais il y a déjà plus de 2 ans que j'ai arrêté. Bientôt 3, ouais. 1 an, 2 ou 3, je sais plus. Non, va pas trop vite, Maurice, tu vas te payer les barrières. Voilà. Et redresse maintenant. Allez, on est reparti pour un tour. Salut Thomas! Non, je suis avec Ced M46, mais je crois qu'il s'est endormi dans son tracteur. Non. Ah non, il a répondu. J'ai changé de tracteur, j'ai revendu le classe, je viens d'acheter un Fendt. Lequel? 1050. Non, copieur, va. Si, parce qu'il va, il va mieux arracher, il est un peu limite. Je crois que la moissonneuse, il va falloir que je la dégage à un moment ou un autre, elle va me gêner. J'en avais pas la pression. Prochain tour, elle me gêne. On le réveille. Oui, on me l'avait réveillé. Bah, il est plutôt jeune. Hein. 45 ans, ça s'endort facilement. Et voilà. Bon, on va enlever toute l'artillerie que j'ai laissé un peu traîner là. La remorque là comme ça, on va mettre la machine à se vider et ça va être bon, je vais pouvoir continuer. Allez, j'ai embauché Marie-Christine. T'as embauché Marie-Christine? Voilà.
J'ai remarqué qu'un ouvrier, les femmes, elles travaillent mieux que les hommes. Je sais pas, vraiment, si c'est vrai. Mine de rien, mine de crayon. Mine de rien, mine de crayon. Il me pique toutes mes trucs, lui. Oh, punaise de bois de lit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça va coincer. Non, ça va pas coincer. Ouais. Ils font des oublis, ces ouvriers, là. Ça m'énerve. On n'a jamais mieux servi que par soi-même en avant-guerre. Ça, c'est bien vrai. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon Thomas? Oula, Dieu tue quand tu nous tiens. Ouais, j'ai pas tout compris, mais c'est normal, j'ai le cerf-volant. Dis pas que de conneries, les féministes sont partout. Oh merde. J'ai pas de chance, moi. S'ils sont partout. Bon, je crois que j'ai oublié d'aller remplir une queue parce que j'en aurais pas assez encore. Et comme j'ai pas mis le mode pour régler le débit, ben je suis dans le caca boudin. Et voilà, c'est vide. T'as quelque chose à te faire pardonner, Sed lol? Ah non. Pourquoi dis-tu ça? C'est Seb 15 qui a dit ça. Et pourquoi il dit ça? Je t'en veux pas, c'est pas facile de suivre le chat et le jeu. Non, c'est pas facile, non? Mais bon, j'arrive à le suivre quand je suis bien réveillé et quand je suis pas trop fatigué. Mais là, il est quand même 23h18, 2h17 de live. Et les yeux commencent à fatiguer. Mais on continue quand même. Ben, on n'aurait pas fait grand chose quand même. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Salut Anthony, 34660. Ça sert à quoi le lisier? Eh ben, ça sert à fertiliser les champs. Tel de vaillants combattants. Oui, hop, t'as vu les vaillants combattants, il s'est encore payé une... Décidément, hein. Je me paye toutes les clôtures, hein. Normal, passe le bonsoir à Ced. T'as le bonsoir de Thomas, Ced. Bonsoir Thomas, merci. Une GC encore. Eh ben, bah oui, bah, il y en a tout le temps plein. Ça, on va pas changer hein, les habitudes. Je suis un perturbateur. Oui, bah c'est de la faute à Fred, quoi, que ça s'est arrivé, quoi. Tout simplement. Hein. Bah là, maintenant, je peux lire le chat tranquille tant que ça se remplit. Comme tu parles des ouvriers, femmes dans le jeu, complimente par... Ah ouais. D'accord, je comprends mieux. Eh, toujours 7, ah, c'est une petite moyenne ce soir, mais bon, c'est samedi soir, hein. Il y en a plein qui sont partis en discothèque. C'est vrai que j'ai encore pris 2 follow aujourd'hui, c'est bien ça. Tous les soirs, je viens sur Twitch, j'en prends 2. Ben, c'est encourageant, non?
sais même plus à combien je suis maintenant. À 162 normalement. Ça monte tout doucement. Mais sûrement, comme dirait l'autre. Il n'y a que les vieux là, oui, bah oui. Les jeunes, ils sont partis faire des folies de leur cœur. C'est vrai, Thomas. Ne jamais être pressé. Allez, ça y est, ce coup-ci, on peut aller. Non, non, recule, Maurice. Parce que si tu avances, tu vas pas aller bien loin. Et n'accélère pas trop. Vas-y doucement, Maurice. Doucement, doucement, Maurice, doucement. Fais pas le con, fais pas le con, fais pas le con. Ne fais pas le con. Ah, voilà. C'est fait. Bon, on va essayer de sortir de là encore. Oh. C'est pas gagné. Je passe par là. Si, ça va le faire. Oui. On est reparti. Ah non, je suis pas en classe. Je suis en FEN. Faut changer un peu les couleurs. Pas toujours en classe, je sais que j'ai la classe, mais quand même. Ah bah oui, celui-là il est pas mal surtout. Bon ben après j'ai pris des tracteurs qui roulaient vite. Hein. Le Dutch roule à 63, celui-là aussi. Voilà pourquoi je les ai choisis. Hein. Puis c'est deux verres en plus, sans faire exprès. Ah, c'est pas le même verre, mais c'est un verre aussi. Ouais, moi je vais finir ce champ là, et puis je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Bon bah je vais essayer de finir de fertiliser quand même. Je fertiliserai demain. Et moi il va être fertilisé entièrement, tu vois. Eh oui. Et c'est pas un petit hein. Mais toi t'avais pas besoin de labourer, donc t'as gagné du temps là-dessus. Ah bah oui. Par rapport à toi, je suis pas en retard du coup. Non. Mais j'ai pas ramassé ma paille, mais j'ai fait deux champs, moi. Ah, la preuve que j'avance quand même vite. Hein. Eh. Moi, j'ai moissonné le champ, j'ai fait la paille. Bonne nuit, l'ami. À demain sur Discord. D'accord. Ça marche, merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, mon petit Thomas. Allez, on va faire le dernier petit bout. Au moins, on aura fait plusieurs activités. Bah, plusieurs. On a fait des moissons. Du tracteur avec la benne qui roule. La balse pas mousse. Et puis, bah, du caca. C'est vrai que ça passe vite hein, quand même. Une soirée. 2h24 de live déjà. Oh punaise. On est fou, on est teubé. Et il m'en manque un bout là. Ah bah non, je croyais, mais non, c'est un bug. Tac. Ah bah si.
Je viens de le voir, il manquait tout petit peu, pas grand chose. Ah, comme j'aime bien faire les choses bien, on refait. Eh ben non, ça c'est un bug d'affichage. Allez, un aller-retour et j'ai fini. Ben moi j'ai fini. Bon, je vais laisser ça là. Et je vais aller vendre mon maïs quand même. Je vais laisser ça là, salaud, sali. Je change juste de tracteur et je vais aller vendre le reste de maïs. Bon, faut pas que je me trompe. Oh là là. Et c'est vrai qu'il me manque plein de mods sur le serveur là. Je les remette. C'est fini. T'as fini? Ouais. Moi j'ai ramené tout ça à la ferme. Moi j'ai tout droit là parce que je vais pas arriver à tourner. Ferme à cède. Un riche propriétaire. Qu'est-ce que t'as cassé? Oh, oui. Alors, demain, on va faire. Hein? Demain, il nous faudra fertiliser le champ 21. Et le champ. Et si tu m'as dans le 18, je vais devoir faire une belle vie.
Ah, je croyais que t'étais parti. Ah non, c'est Thomas qui est parti, c'est vrai. Re, Titine. Titine, Seb, quoi. Parce que Titine, ça fait gamin. Hein. L'âge que t'as, et longtemps, oui, comme tu m'as dit, longtemps que t'as arrêté Titine. Regardez. Mais t'as déjà quitté, toi, sauvage, démodé. Ouais, attends, je vais dehors, je te prends sur mes genoux. Ah, d'accord. Allez, on ramène tout ça à Bercail. C'est pas le tout de sortir tout le matos, il faut le rentrer après. Tiens, je m'entends, lol. MDR, je m'entends. Oh, oh punaise, ça fait bizarre. Hein. Oh punaise, ça c'est un arbre. Il rigole comme un fou, comme un tordu, comme un bossu. Il est près d'un arbre, quoi. Oh putain. Eh bah oui, dis ça, si je le fais pas 10 fois dans la soirée, je le fais pas une seule fois. Tu devrais le savoir. Alors je sais pas si ça va rentrer dans le bâtiment, mais on va tester. J'ai braqué trop vite. Alors, je sais pas si ça va rentrer dans le bâtiment. On va tester. Quel est les roues qui braquent, alors c'est chiant. Bah regarde, impeccable. Et il rigole, lui. C'est la faute des roues, ouais. Il a raison, Fred. Bah oui, c'est la faute des roues. Ça peut pas être de la mienne, quand même. Ah, putain. Bah voilà, j'ai réussi à tout rentrer. Moi, je connais. Ah bah oui, tu vois. T'es aussi doué que moi, je crois, alors. Voilà, on ferme la porte, comme ça le gros tracteur est caché. Quelqu'un dit toujours, c'est entre la chaise et... Oh, je sais qui c'est qui dit ça, mais il ferait mieux de se taire des fois. Hein? C'est pas vrai. Bon, bah pour ce soir, on va s'arrêter là, les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Donc passez une agréable nuit, faites de beaux rêves, et à demain les amis. Allez, Louis de Funès, parce que vous avez été vraiment sage. Ça va être punaise. Allez, bonne nuit. À demain.